Salut, c'est Thomas Huviller. Je suis gagnant du triathlon de Genève l'an passé et je vais essayer de te donner 2-3 conseils à toi qui va participer à ton premier triathlon cette année. Dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à la partie vélo. Au niveau du matériel, le plus important, c'est d'avoir un vélo qui roule. Alors, un vélo de course, c'est bien, mais c'est pas obligé pour une première expérience en triathlon. Si j'ai un conseil, achète-toi plutôt des clips. Les clips, c'est un système qui permet d'accrocher le pied à la pédale et de générer de la force non seulement en poussant sur la pédale, mais aussi en tirant. Ensuite, le deuxième conseil, ça peut paraître bête, mais il faut réfléchir à tout ce qui peut diminuer le frottement. Le frottement avec l'air, mais aussi avec le sol. Par exemple, avoir des roues fines, c'est toujours mieux. Avoir des prolongateurs pour rester bas aussi, ça c'est important. Et finalement, des habits proches du corps. Bon, tout ça c'est bien, mais le plus important, c'est pas le vélo, c'est le cycliste. Alors il va falloir t'entraîner. Mon premier conseil, c'est qu'il faut faire des sorties longues. Le vélo, c'est vraiment la discipline sur laquelle tu passes le plus de temps à l'entraînement. Va faire des sorties de 2-3 heures, même à basse intensité, ça va te permettre de travailler le système cardiovasculaire sans te traumatiser au niveau osseux ou tendineux. Ensuite, au niveau technique, il y a quelques exercices que tu peux faire pour travailler l'efficacité de pédalage. Par exemple, essayer de faire des exercices où tu pédales à une jambe. Ou alors, monter avec un gros braquet et travailler vraiment à basse intensité. Beaucoup de gens pensent que le poids du vélo et la forme du cadre, ça joue un rôle important. Mais si je peux te donner un conseil, va t'entraîner. Si tu veux mettre en pratique tous ces conseils, je te donne rendez-vous le mardi 11 juin à 18h30 devant le bain des Paquis. C'est un entraînement en commun et c'est gratuit. Il te suffit juste de prendre ton matériel.